محمد يا رسول الله ويا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد
pas de mieux que de commencer cette soirée sur Canal Algérie par de belles louanges à Allah et Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci, madame, messieurs, de choisir Canal Algérie pour vous accompagner en cette soirée exceptionnelle de l'Eid al-Adha, l'Eid al-Kbir, comme on dit en algérien. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter cette émission qui, vous allez le voir, est très riche en matière artistique. Et oui, je vous dis encore une fois, sahait, comme kul am wantum bkhir, inad alina blehna, blkhir, bsaha surtout. Et je suis très heureuse, comme je le disais, dans un plateau artistique, on a ouvert le bal avec vous. Oulette Haoussa, qu'on va encore une fois applaudir, s'il vous plaît. C'est comme ça. Alors, je ne vous donne pas la liste des invités. On a un choix exceptionnel. Des artistes que vous avez l'habitude de voir sur scène, dans des mariages aussi, des comédiens aussi. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Sahaïtkoum. Et on se retrouve juste après ça. Pour cette soirée exceptionnelle de l'Eid al-Adha, l'Eid al-Kbir, et on a essayé de mettre tous les moyens pour vous permettre de passer une très très belle soirée en musique. On a choisi plusieurs artistes histoire de faire plaisir à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pour qu'il n'y ait pas d'envieux. On va essayer de toucher les quatre coins de l'Algérie avec des styles très très différents. On voyagera de l'ouest à l'est en passant par le centre. On a commencé avec Oulette Haoussa qui sont avec moi, avec Mohamed de Oulette Haoussa. Bonsoir. Merci pour le bidaya taakoum dkhla, c'était magnifique. Alors juste à côté de vous, un invité, et je suis très heureuse de pouvoir le recevoir parce qu'il va nous en dire des choses sur la signification, la symbolique de l'Eid al-Kbir. On se devait de commencer cette émission par cela. Monsieur Ahmed Grigahsen, bonsoir. Bonsoir, sahaïtkoum, koul amoutoum apkhir, inchallah. Alors, je ne sais plus comment vous présenter parce que vous en avez fait des choses. Alors vous étiez au CRAC et aujourd'hui, vous faites partie du ministère des affaires religieuses. Je suis à la culture islamique, à la tête de la culture islamique au ministère des affaires religieuses. Bienvenue, marhaba bek. Allah yselmak, sahaïtkoum, koul amoutoum apkhir. Yselmak. Donc on va aller droit au but. Exactement. On commence par expliquer ce qu'est la symbolique de l'Eid al-Adha. En fait, on peut faire plusieurs lectures. L'Eid, tout le monde en profite, tout le monde sait comment faire, tout le monde sait comment faire, comment fêter l'Eid. Il y a des conditions pour le choix du mouton ou de ce qu'on va sacrifier. Mais il faut aussi comprendre c'est quoi l'Eid et pourquoi. Parce que l'Eid al-Adha, en premier lieu, c'est un rappel. C'est le rappel du sacrifice de Sidna Ibrahim qui allait sacrifier Sidna Ismaïl. Parce que Allah Ta'ala lui a demandé en songe. Mm-hmm. Mais en fin de compte, il ne l'a pas fait. Parce que Allah Ta'ala ne veut pas que l'homme sacrifie un autre homme pour lui faire plaisir. Mm-hmm. Donc on ne tue pas un être humain pour faire plaisir à Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. Oui. Première lecture. Deuxième lecture, il y a cette tradition musulmane. L'islam, en fin de compte, n'a pas commencé avec Sidna Mohammed, alayhi salatu salam. Oui. Il va au-delà de Sidna Mohammed. C'est aussi toute la chaîne des religions samawiyyah, donc des religions monothéistes qui s'alignent avant l'islam. Mais aussi, on partage cette tradition avec une autre religion monothéiste qui est la religion des juifs, bien sûr. Les juifs fêtent aussi, mais eux, dans leur tradition, ils disent que Sidna Ibrahim allait sacrifier Ishaq, alayhi salatu salam. Mais en fait, pour nous, c'est Ismaël. Autre lecture, ça veut dire que l'islam, bien qu'il reprend la même histoire, mais ce n'est pas la même chose. Donc l'islam n'est pas une copie des autres religions monothéistes. L'islam puise de la même source, mais n'est pas une copie des autres religions. C'est une religion à part entière. Mm-hmm. Donc une autre lecture. D'accord. Aussi, il nous est demandé d'offrir le meilleur. Mm-hmm. Pourquoi ? C'est tout un comportement. Exactement. Mm-hmm. Parce qu'il nous est demandé à tout musulman, il est toujours demandé de ta'zim sha'air Allah. Donc on est là pour sacraliser le culte. Mm-hmm. Quand on fait quelque chose pour Allah Ta'ala, on le fait bien et on le fait très bien et on le fait de la meilleure façon possible pour nous. Donc c'est ta'zim. Très bien. Et il y a aussi une autre lecture aussi qu'il faut faire parce qu'on dit que les musulmans tuent les moutons. Oui. On sait très bien que le prédateur naturel des moutons, c'est les loups. Oui. Dans une portée, la louve peut mettre jusqu'à 6 à 7 louveteaux. Oui. La brebis n'en met que 1 à 2.
Et pourtant, il y a bien plus de moutons que de loups dans la nature. Oui. Donc, en fin de compte, le musulman ne tue pas la nature. Donc, il est là pour la conserver, il est là pour équilibrer. D'accord. Il y a aussi une autre lecture qu'il faut faire. Oui. Je m'excuse, peut-être c'est la dernière. C'est qu'un musulman qui est chez lui, qui est en train de fêter l'Aïd, il est en train de le faire en même temps que le Hajj, qui est en train de terminer son pèlerinage. Oui. Donc, c'est une synchronisation. Oui. Imaginons juste il y a de cela 50 ans, quand il n'y avait pas de chaîne télévision, quand il n'y avait pas de satellite, quand il n'y avait pas de wifi, quand il n'y avait rien. Mais le musulman, ici et là-bas, faisait la même chose. C'est une synchronisation. Oui. Ça, c'est très important de se rappeler, de se dire aussi que tous les musulmans sont en train de faire le même acte pour plaire à Dieu et en même temps. Très bien. Peut-être une question sur le mouton. Donc, Kibch el-Aïd, comment il faut se comporter, c'est-à-dire N'Qolo Sadaqa. J'aimerais bien que vous nous expliquiez que doit faire le musulman avec Kibch el-Aïd. Ce que faisaient naturellement nos ancêtres, ils savaient très bien, ils appliquaient sunna. Donc il y avait les trois tiers. Un tiers on le mange, un tiers on l'offre, oui. Et l'autre tiers on le donne comme sadaqa. Très bien. C'est ce que. Et bien sûr, clair. Quand on donne en sadaqa ou là, quand on offre quelque chose, le cadeau qu'on offre, bien sûr, nos vieilles, elles étaient un peu, bien sûr, vous savez, elles étaient un peu malines. Donc quelqu'un qui vous offre l'épaule, vous ne lui offrez pas, bien sûr. Donc, mais il faut faire surtout niya, parce que l'Aïd, c'est azim sha'airla. Il faut que ça soit, c'est du sacré. Il faut le faire très, très bien. Très bien. Une petite dernière question, et ensuite, voilà. Est-ce qu'on a le droit de prêter de l'argent et de s'endetter pour pouvoir acheter le mouton ? Je l'ai dit dès le début, on offre le meilleur de soi maintenant. Oui. Si on s'endette, ça veut dire qu'on se force. Oui. Et c'est parce que nous demande Dieu. Très bien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est toujours un plaisir de vous interviewer parce que j'apprends toujours avec vous. Très bien, on se reverra dans une autre occasion avec d'autres questions, Inch'Allah. Mohamed, la troupe de Oulad Haoussa, لا تروب أولاد حوسة أولاد ديوان على كل حال الجماعة كامل اللي شفتوهم داير كان وليدي معايا تاني اللي كان يلعب بالقنبري الصغير هذاك وليدي وكان وليد خويا وكان وليد عمي سيد لافامي وهذا كما يقولوا من الوالدين من البكري كما يقولوا سي دو بير اون فيس سا سي ترانسمي سي سا داكور ورا كنت تخدموا شويه ديروا حفلات كنا نخدموا مي هاد الساعه راهي ناقصه الخدمه قال لي زارتي السياره ومناقصه الخدمه اليوم ماشي غير حنايا اي مالا مزيه اللي راكو هنايا فوالا حنا اليوم كيما يقولوا شكرا على هاد الاستضافه ميرسي افو انا اللي نشكركم يعطيكم الصحه مو جادور لو جروب لا تروب ولاد حوسه رانا هنا على كل حال يعطيكم الصحه ميرسي بوكو ميرسي فوالا سا فايت كوم سا توت لون دو لا سواري افيك دي ارتيست اكسيبسيونيل الوغ il faut que je vous dise quand même par qui je suis habillée par bien sûr la talentueuse Faiza Antrebouzar qui m'a très joliment habillée et elle vous réserve une très très belle surprise dans quelques instants. Mais tout de suite, on va écouter un autre artiste qui nous fait l'honneur de venir ce soir. Je sais qu'il y a plein de femmes qui sont à la maison qui disent « Ah oui, il est là, il est là !» Parce que je sais que quand il fait des mariages, elles veulent tous aller pour assister, l'écouter, danser. Il paraît qu'il fait une ambiance extraordinaire et il est là pour vous, mesdames et messieurs, bien sûr. On n'oublie pas les messieurs, il s'agit de Mohamed Yassine avec son orchestre. C'est à vous. سبحان من شاك وعطاك الجمال سبحان من شاك وعطاك الجمال زينك مذكور فيما مضى وما يأتي
لك الله وعزك نعم المتعال وانا حبك سكن لي في دواخل ذاتي مطلب من الله المتعال يغفر لي زلاتي فادتني في مسالة سوى النفار والبعاد سوى النفار والبعاد تعالى عسنا بلا مرادي عسنا بلا مرادي نقم حالي
يطمن في ما بالي أفنيت من حب عذرا شحيلتي يا موالي شحيلتي يا موالي يا مولاي حرمت بك نعاسي يا ميرة الرياض وصلت لك غلام يا لالا وسلم معك عاسي عشت بلا طعام يا لالا الوحش جرى علي الوحش جرى علي ومعن عني الغيار يا لالا انصفار العشية توحش الديار انصفار العشية توحش المسرى يا لالا وحش الحمايم خوفي من الرغيم يا لالا ما يمسى قلبي دايم من شدة اللهيب يا لالا جملة الحمايم أنا ما سيت غريب يا لالا حبي عملها مياه حبي عملها مياه ورماني للقفاه نصفار العشية توحش الديار نصفار العشية توحش المسرى Bravo Mohamed Yassine et son orchestre. Quelle interprétation et quel jeu, messieurs. Merci, merci beaucoup pour ce très, très beau moment qu'on a partagé ensemble. On va retrouver dans quelques instants Mohamed Yassine avec nous ici. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver quelques vœux de l'Aïd de personnes qui vous souhaitent Saha Aïdkoum. Je souhaite à chaque Algérien meilleurs vœux. De l'Aïd el-Kbir pour les Kabyles, Algérois, Chaoui, tous ensemble. Et voilà, tous les Algériens, je souhaite un Aïd exceptionnel pour voilà, tout le monde. Et le bonjour à toute ma famille à Alger, ma mère, mon frère de Kouléa et mon frère aussi qui est en vacances et aussi il habite à Bordeaux. Voilà. Bon, je souhaite l'Aïd el-Kbir pour tous les Algériens en général, en particulier ma famille qui habite à Bousselem, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous les Algériens. Je souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Kbir à toute ma famille, mes soeurs, mon frère, mes neveux, nièces et tout le monde, et à tous mes amis.
et à ceux qui se souviennent encore de moi. Je tiens à dire ça à Aïdkoum, les Jazairiens, à ma Kamel, et en particulier à ma mère, l'Ommimti, ou Rabbi Nourak, ou Khalti Zoulikha, Khalti Dahbiya, voilà, de Baraka, de Maga, Koubar, 85 ans, Gafi Amarhom, ou l'Algérie Kamel, ou. ان شاء الله العام الاخر يكون خير من هذا العام هذا للجزائر ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ah, je souhaite une très bonne fête de l'Aïd à toute l'Algérie entière. Aïdkoum Moubarak. Voilà. À toute ma famille en Algérie, en Kabylie. Voilà, et inchallah khair pour notre pays et nous sommes là aussi, on pense beaucoup à vous et une très bonne fête encore une fois à toute l'Algérie, à toute ma famille. Mes oncles, mes tantes, toute la famille Bezioun et Ben Belaïd. Assalamu alaikum, saha aïdkoum, aïdkoum Moubarak, aïd el kbir inchallah au qareb. Ou alhamdoulilah kirakou bkhair. Ou nahdi tahiyati lkoul familti, la famille Laloui, l'Algérie. Ou alhamdoulilah, ou rabbi yestrkoum. Ou tbarakallahou fikoum, ya kanal Algérie. Merci beaucoup. Comme je dis, ça aide comme à tous les Algériens et surtout ma famille, la famille de Moufouk et tous les gens de Tizi Ouzou, tous les Algériens. Inch'Allah, tu aides aussi à Oulana, au Koulam, Inch'Allah, tous les Algériens, frères, les gens qui sont en Falwarba et les gens de l'Algérie, les gens de Annaba surtout beaucoup plus. Et voilà, ça aide comme au Koulam, Inch'Allah, toute l'Algérie, frère, Inch'Allah. Aide comme au Koulam, au Koulam, tu m'as frère, ou Nas Annaba toujours. ناس عنابة ناس وهرة ناس زاير ناس تيزي وزور ناس تمن غاست ناس إلى ليستي لونغ ناس توت الجيرين نقول لهم صحة عيدكم وإن شاء الله تعيدوا بصحة ولهنا alors nous avons rejoint ici notre ami Mohamed Yassine il insiste sur Mohamed Yassine oui c'est mon ah, prénom c'est son prénom et en plus c'est son nom d'artiste merci fait. De nous avoir offert ce très très beau moment ben, merci beaucoup ça fait un plaisir oui surtout qu'on vous avait pas vu sur un plateau de télévision ça faisait quand même assez longtemps et c'est pour ça que j'ai insisté à ce que vous veniez ce soir et parce que je sais que vous avez beaucoup de fans merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être parmi vous. Mm-hmm. Donc Mohamed Yassine, toujours dans les... Pas beaucoup de spectacles, hein, mais beaucoup plus de mariages. Bah, écoutez, parce qu'on vous demande. En fait, beaucoup de mariages, mais les spectacles, si on me fait appel, je suis là. Voilà. Je réponds mm-hmm. présent. Et Dieu sait que vous avez un très très grand public. J'espère. Moi j'ai vu, je suis rentrée sur internet et j'ai vu votre page Facebook fan de Mohamed Yassine. Il y en a, hein, y en a des fans. Ouais, je me plains pas, ça voilà. va, ça se passe bien. Donc très bien. Finalement, quand on écoute du Mohamed Yassine, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute toute l'Algérie ou on écoute un style bien particulier? Parce que je sais que vous êtes très fort dans la musique de l'Est, notamment le Maalouf, non? Non, en fait, la musique de l'Est, je la pratique, c'est pour les mariages en fait. La demande est telle que j'ai été obligé d'agrandir mon répertoire dans la musique, tout ce qui est Est, Constantinois, etc. Mais ce n'est pas du tout ma spécialité en fait. D'accord, vous c'est l'Algérois. Moi, c'est à la base, j'ai fait de la musique andalouse. Oui. Et donc c'est ça mon dada, disons. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on sent, même quand vous chantez, on sent cette touche andalouse, de la musique andalouse. Sûrement, sûrement. Oui, c'est ça s'entend. Oui, c'est clair. Même c'est la voix. Sûrement, parce que pour chanter de la musique andalouse, il faut vraiment avoir de la voix. C'est très particulier c'est comme particulier, style. Oui, je pense. D'accord. Alors, Mohamed Yassine, on est bien sûr la soirée, premier jour de l'Aïd en soirée. Ça s'est bien passé votre journée? Très, très bien, très, très bien. Bah, comme tout le monde, Tebeha, Sleir, etc. Vous avez bien pratiqué ce que nous a demandé notre invité. Ah, bah oui, je l'ai. Mohamed Grigassen, ça va, vous avez tout appliqué. Oui, j'ai tout noté. Alhamdoulilah. En tout cas, merci encore. Une fois ah, c'est moi qui d'être vous remercie. Là. On vous garde, vous, jusqu'à la fin. Eh ben, avec parce plaisir. Que vous avez encore réservé à votre public une belle petite surprise. Très, très bien. Tout à l'heure. Avec grand plaisir. Merci, Mohamed Yassine. Voilà, tout de suite, on va retrouver une autre artiste que, personnellement, j'apprécie beaucoup. Et apparemment, je ne suis pas la seule parce qu'elle aussi, elle a des fans. Elle est très jolie, elle chante très, très bien. Et surtout, elle a une très belle voix. Et c'est toujours l'orchestre, on le signale, de Mohamed Yassine qui va l'accompagner. L'artiste en question s'appelle Lila Borsali, c'est à vous. Oh.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. Oh.
قدوم الحبيب زمان السرور وكنز المحبة علينا يدور قدوم الحبيب زمان السرور وكأس المحبة علينا يدور studio de Canal Algérie dans un très très beau décor. Il faut que je dise bien sûr que le décor appartient à Dar El Bey Décoration. Merci pour ce très très joli décor avec des invités exceptionnels. Voilà, derrière moi, en face de moi, à côté de moi, vous allez les découvrir un par un. Et j'ai le plaisir d'avoir à ma table deux belles femmes qui évoluent très très bien dans leur métier. Alors, juste à côté de moi, Faïza Antrebouzar, qui m'a habillée et qui a habillé aussi Lila Boursali. Bonsoir, Faïza. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Sahaïd Koum. Oulamoun Tepkhir. Sahaïd, tous les Algériens dans le monde. Merci de me faire briller comme ça. Ah bah oui, tu brilles, là, c'est clair. Lila Boursali, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Lilia et bonsoir à tous. Sahaïd Koum, Oulamoun Tepkhir, Inch'Allah. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Bah, tout le plaisir est pour moi. Et très belle interprétation. Oh, tu nous as mis de l'ambiance avec ta jolie voix et l'orchestre. Vraiment à applaudir notre orchestre oui, aujourd'hui. Oui, oui. On l'applaudit encore une fois l'orchestre. Voilà. Alors Lila, comment ça va? Très bien. Pour ça toi, va. Ça marche très très bien. Les concerts, tu es une artiste très demandée. Tu as des fans et surtout la musique andalouse, haouzée, c'est très demandé. Bon, j'espère. Je vais pas être très originale par rapport à Mohamed Yassi. Je veux dire, j'espère. Lui aussi. Hein. Voilà. Donc, je pense que les artistes. Enfin, on fait en sorte pour que justement le public puisse adhérer à nos travaux. C'est pas toujours facile parce que il faut, vous savez, plaire au public, c'est pas une science exacte. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent être mis ensemble pour pouvoir créer cette magie entre le public et l'artiste. Mmh. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est ça la vie d'un artiste. Mmh. Il faut vraiment que, moi en tout cas je suis très reconnaissante par rapport à toutes les personnes qui me soutiennent et qui me suivent. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, à la fin de tes concerts, tu te prends en photo avec tout le monde, tu es très patiente, tu essayes de faire plaisir à tout le monde, tu prends un selfie, une photo, oui. Et tout le monde part content. Je suis la dernière à quitter la salle et c'est un principe pour moi, enfin chez moi en tout cas,
des fois, je passe plus de temps après le concert que pendant le concert. Mais justement, c'est pour montrer aux gens la gratitude aussi que j'ai vis-à-vis de ces gens-là qui viennent et qui payent un ticket, qui viennent pour assister à un concert. J'espère être à la hauteur déjà pendant le concert. Mais en plus, je tiens à avoir un contact direct aussi avec les personnes. Et ça, c'est très important pour moi. Très bien. Alors Lila, tu te fais souvent habiller par... souvent habillée par Faizra Entrebouzar, qui a fait toutes ses preuves en matière de stylisme, modélisme, puisque à chaque fois elle innove et à chaque fois elle nous sort quelque chose de nouveau. Et tout ce qu'elle fait est très joli. C'est pas parce que tu m'as habillée, mais franchement, j'ai toujours aimé ce que tu fais. Alors c'est vraiment un travail artistique. Merci beaucoup. Je tiens à préciser que je ne suis pas modéliste. Mm-hmm. Je suis créatrice styliste. D'accord. Et donc autodidacte. Le modélisme ne rentre pas dedans. Non, je ne sais pas coudre. Donc c'est juste dessiner. Le modélisme, c'est vraiment faire les patrons, coudre, dessiner, etc. Mm-hmm. Moi, je conçois. D'accord. Comme je conçois les bijoux. Voilà. Donc, on peut concevoir, mais ne pas les réaliser. Non. D'accord. Donc, tu as une équipe avec toi qui s'occupe du reste. J'ai une armée, on va dire. Parce que j'ai une équipe qui est, que Lila connaît très bien, qui est à mon atelier, mais je travaille avec beaucoup de prestataires, beaucoup de femmes chez elles. Mm-hmm. Et elles sont au nombre de 30 en tout. D'accord. Donc je tiens à les féliciter, je tiens à les remercier, à leur dire particulièrement ça aide comme à elles. Très bien. Est-ce que Faiza Entrebouzar est spécialiste dans un style particulier, on va dire le kereko ou la... Alors, moi, ce qui m'a menée dans ce métier, c'est le kereko, effectivement, parce qu'on a hérité du kereko de mon arrière-grand-mère, de la famille Benouenich. Donc je tiens à le dire parce que ça fait quand même perpétuer quand même les noms et la reconnaissance vis-à-vis de certaines familles. Mm-hmm. Et ce kereko, je l'ai porté quand j'avais 12 ans à l'école primaire, en 6e année. J'avais dansé une danse traditionnelle algéroise avec ce kereko. Et les années passent et je décide de revenir vers ça parce que je le sentais un peu en perdition par rapport, par exemple, à Tlemcen ou à Annaba ou à Constantine, où les traditions toujours, sont très présentes. Oui, c'est vrai. À Alger, je sentais que ça manquait et je me suis dit, je vais participer, si c'est possible, à construire un édifice pour protéger ce kereko. Mais je ne suis pas spécialisée que dans le kereko. Je fais la blouse, je fais la gandoura, la robe kabyle, n'est-ce pas, mon cher ami Yazid? Oui. Voilà, donc, Yazid, c'est un autre artiste qu'on va retrouver tout à l'heure. On a habillé, la dernière fois, on a fait un shooting avec Lila, on lui a mis une tenue tergui, on a mis une tenue Neili. Donc c'est vraiment toute l'Algérie. Et que je tiens vraiment. De représenter. Vraiment, c'est très important pour moi de le dire. Je suis d'abord algérienne, ma région vient après. D'accord. C'est d'abord l'Algérie. Bravo, bravo. Voilà, on l'applaudit, Faiza Entrebouzar, qui a en fait tout résumé, elle a tout dit. Tu voyages beaucoup, tu essayes de t'inspirer aussi, tu essayes d'apprendre, c'est-à-dire pour toi, ce n'est jamais terminé, même si tu connais tout. Mais je ne connais pas tout, je ne peux pas le dire. Je veux dire, tout dans le modélisme, dans le style algérien, on va dire. Le style algérien, tu essayes de toujours de trouver des petites touches comme ça, originales, rajouter quelque chose. Je suis passionnée d'histoire, et je suis passionnée d'histoire de l'Algérie. Et il faut savoir que l'Algérie est quand même un lieu où il y a eu beaucoup de brassages, beaucoup de passages, beaucoup de civilisations. Si vraiment on veut revenir 3000 ans en arrière seulement, c'est déjà énorme. Il y a beaucoup à dire. Ouais. Donc là, cette année, en l'occurrence, j'ai décidé de faire une collection sur l'antiquité algérienne, sur Tipaza Cherchel particulièrement. Et pour parler de ça, c'était Juba II et son épouse, Cléopâtre Sélénée. Très bien. Donc, et on pourra voir ça quand? Je pense maintenant. Maintenant ouais, c'est pour ça que j'ai posé la question. Ben voilà. Et c'est ça la surprise que vous réserve ce soir Faiza Entrebouzar en exclusivité, s'il vous plaît, ici sur Canal Algérie en cette soirée de l'Aïd. Un défilé de mode, rien que pour vous, un défilé de mode qui a pour nom, pour titre, de l'antiquité algérienne. De l'antiquité algérienne. Regardez, mesdames et messieurs, c'est pour vous. On y va.
Voilà, de l'antiquité algérienne, voilà, j'allais dire à l'Algérie, non, de l'antiquité algérienne, c'est le défilé que vous a proposé Faïza André Bouzard, voilà, rien que pour vous, mesdames et messieurs. Alors, on a vu que c'est super original et ça a un rapport donc avec l'Égypte. En fait, c'est vraiment Cléopâtre, c'est l'aînée, l'épouse de Juba II. Juba II a été élevé à Rome comme butin de guerre, parce que son père s'était battu contre les Romains, mais il n'avait pas pu, donc il a été déchu. Et donc, il a été élevé comme butin de guerre. C'est très important de le dire. On le renvoie en Algérie, en Numidie de l'époque, et il est élevé donc comme un Romain, et il gère la Numidie comme terre romaine, mais son épouse est Cléopâtre, c'est l'aînée, qui est de mère égyptienne et de père romain. D'accord. Donc il y a tout ce brassage. C'est pour ça qu'on voit un petit peu les modèles. Par exemple, le dernier modèle qu'on a vu, la jupe, elle n'est pas longue. Voilà, elle est à mi-mollet parce que c'est d'inspiration égyptienne, justement. D'accord. Parce que, voilà, à l'époque de Néfertiti ou de Cléopâtre, on portait toujours les jupes assez. On voyait les chevilles en tous les cas. Très bien. Voilà. Ce que vous portez, c'est très moderne. Ce que je porte, c'est une mlahfa. Et pourtant, c'est une mlahfa. Voilà, on pense que la mlahfa est propre à la région chaouïa, mais ce n'est pas vrai. Attends, il y a des chaouis qui sont en derrière mais ce moi. N'est pas propre. Il y a la mlahfa chaouia, mais ce n'est pas propre au chaoui. D'accord. C'est-à-dire que vous allez du côté de Gardaïa, Rda, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Déjà, Rda, c'est le cousin voilà, c'est de la mlahfa. Vous allez à Gardaïa, vous avez aussi le Houli. Vous allez au sud, vous allez avoir aussi une sorte de mlahfa. À Alger, on va mettre le même principe d'Arda, mais avec un sarouel. Ouais. Donc vraiment... C'est vraiment l'Algérie, pour ne pas dire le Maghreb, et pour ne pas dire la Méditerranée. Mais la robe que vous portez là, on peut la porter dans une soirée, pas forcément un mariage, dans une soirée, dans oui. un dîner. Il y a que les épaules qui sont travaillées. Il voilà. Y a les bijoux un peu qui rappellent un peu le style. Toujours avec les pierres de Swarovski ou... Oui, j'essaye, quand même. Je fais un effort. Y a, vous savez, dans tout ce que vous voyez là, il y a énormément de travail à la main. Oui, y a beaucoup tout est de travail. Fait à la main. Tout est fait à la main, là. Tout est fait à la main. Les fournitures sont de qualité. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment considérer le travail de l'artisan. D'accord. C'est très important de considérer le travail manuel. Très voilà, important. On les salue. On salue tous les artisans qui nous regardent. Et même s'ils ne nous regardent pas, dites-leur qu'on les a salués parce qu'ils le méritent. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci si je peux faire un petit coucou. Bien sûr. Voilà, donc je salue tous les gens de ma famille. Ouais. Ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, sont très loin. Ouais. Donc, pour eux, ils regardent aujourd'hui particulièrement. Voilà, particulièrement, on leur dit Sahaïdkoum. Et bien sûr, les Algériens d'Algérie, bien sûr. Très bien. Lila, merci. Merci à toi. Et moi, je voudrais te saluer à toi. Merci. Et te remercier. Et comme avec je te plaisir. L'ai dit, et je vais le redire devant tout le monde, oui, je vais le dire, Lilia. tu as été à un moment dans ma carrière, j'ai pris un tournant dans ma carrière et tu as été très présente à ce moment-là. Merci. C'est toi qui m'a donné cette c'est occasion gentil. De pouvoir le faire. Non, donc, je voudrais te remercier talent, ce soir. Oh là là, elle m'a rendu toute rouge. Merci beaucoup. Voilà. Ça me fait plaisir, en tout cas, à chaque fois de te recevoir. Franchement, merci. Voilà, on va retrouver une autre dame. Et c'est une dame, une grande dame de la chanson algérienne. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue sur un plateau de télévision. Et elle a choisi d'être avec nous sur Canal Algérie. Et ça nous fait vraiment plaisir. Il s'agit de la seule, l'unique Naïma Djazaïria. يعجبني في دوار سنبل ونسري يعجبني في دوار سنبل ونسري يعجبني المندقوش وخيلي العكري
العيد اللي شافوا تعجبني الخليلة كي تقوم لي الصبح بكري تقوم لي الصبح بكري الغصن الغصن اللي يعجبات وقطافه
صرت مال ما صرت كتاب باقي وحيد انا يا العاشق رميت الريح القاب ما صرت شي ونيسي وقريبي شي ونيسي وقريبي نوحو مع بعض حنا التنين يا انا الجمار زادت ليلة انا الجمار زادت ليلة بي الناس بالفرح وانا يا الحزين وين 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 لله ويشفتو محبوبي يا عمري وعلى محبوبي ويشفتو غير عيدو قلولي وين عيدو قلولي شكيت له بحالي وهو الغرام خالط والعناد طاح في دموع ملمت حد ما ظلمته شكيت له بحالي وهو الغرام خالط والعناد طاح في دموع سلمت في حياتي ومصيبي في حياتي ونصيبي أعطيت ماي نفشل ترجلي أنا يندم التجريبي يندم التجريبي الناس في الفرح وانا يا الحزين وين وين لله ويشفتو محبوبي يا عمري وعلى محبوبي ويشفتو غير عيدوا قولوا لي وين عيدوا قولوا لي وين لله وين شفتوا محبوبي يا عمري على محبوبي لا غير عيدوا قولوا لي هذه ساعة عليا والحمد لله حين ترى الضمعين
استغفر الله صح عيدكم Voilà, et à ma table, la diva, bien sûr, Naïma Al-Jazairiya. Bonsoir, Omar Hababik, ou Saha Aïdak. Bonsoir, Omar Hababik, ou Saha Aïdkoum. Et merci, merci de m'avoir invité. Et merci aussi d'avoir dit oui. Ah bah, je le dirai avec un immense plaisir. Voilà, parce que Naïma Al-Jazairiya, ça fait quand même un bon moment qu'on ne l'a pas vue sur la télévision algérienne. C'est pour ça qu'on est content aujourd'hui, surtout Flairik. Merci, merci. Eh bien, vous savez, comme on dit, il y a des hauts et des bas, donc c'est pour ça que je ne me suis pas, c'est-à-dire, présentée à la télé, je ne suis pas venue, je suis pas... Parce qu'à chaque fois, enfin, j'ai beaucoup d'empêchements, beaucoup de... Ça dépend. Mais ça va, vous allez bien. Non, non, je vais très très bien, alhamdoulilah. Voilà, ça rassure toutes les personnes qui vous aiment, donc voilà, Naïma va très très bien. Elle nous a fait une ambiance, il y a que ça, vraiment. Merci. Tina, une ambiance magnifique. C'est mes habitudes. Bah oui, depuis très longtemps d'ailleurs. Oui. Depuis que j'étais petite, déjà je me rappelle, j'avais je crois 12 ans ou 11 ans. Et ben là, et aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur surtout que vous soyez avec moi, donc c'est un privilège pour moi. C'est très gentil, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors dites-moi, Naïma, quelle est votre actualité en ce moment? Est-ce qu'il y a des spectacles? Est-ce qu'il y a des concerts? Bon, je vais vous dire, j'ai, Elect Barbi, Inch'Allah, un récital à l'Opéra le 27 août. Oui. Le 27 août à l'Opéra, Inch'Allah. L'Opéra d'Alger, Boualem Bsaïh. Voilà. C'est ça. Et là, je suis en train de préparer un coffret. Oui. Qui va se faire, Inch'Allah, à partir du mois de septembre, début du mois de septembre. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans le coffret, tous les succès de Naïma Al-Jazairiya? Non, c'est du patrimoine. Ah, du patrimoine. Voilà. Quel genre de patrimoine? C'est de la musique algéroise? Oui, bien sûr, c'est du haouzi. Naïma, elle est spécialisée dans le haouzi. Oui. Voilà. Donc on va le retrouver quand, on pourra l'avoir quand, le coffret? Eh bien... là, je vais l'enregistrer à partir du mois de septembre, Inch'Allah. La fin novembre, parce que vous voyez, moi, je travaille pas rapidement, je travaille, je fais des recherches. Tout ce qui je est fais... bien prend du temps. Eh oui, hein? Eh oui. Très bien, bah, ce sera un très beau cadeau peut-être de fin d'année. Inch'Allah. Hein? Inch'Allah, on pourra l'offrir à tous ceux qui aiment Naïma Al-Jazairiya. À mon public, voilà. À votre public. Voilà. Très bien, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui vous regardent ce soir, puisqu'on est aujourd'hui la soirée de l'Aïd? Là, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Merci. Et je le redis, Saha Aïdkoum, ou Aïdkoum Saha ou Lahna. Inch'Allah, Naïma sera présente à toutes ses activités, bien sûr. Inch'Allah, et vous nous tiendrez au courant, comme ça on informera vos fans. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous saha'id encore. Saha'id encore une autre fois. Merci beaucoup. Voilà, on va retrouver un autre artiste. En fait, je les aime tous, parce qu'à chaque fois je dis je l'aime beaucoup, mais je les aime tous. Que ce soit Lila Boursali, un groupe que je vais pas vous dévoiler leur nom, ils sont juste derrière moi, ils sont excellents. Vous allez voir, ils nous viennent de Oum El Bouaré. Je ne veux pas dire qui c'est. Bon, allez, je le dis. Le groupe Itren, ils sont là. C'est magnifique ce qu'ils font. Le style Chaoui, mais très moderne. On va les écouter dans quelques instants. Mais là, l'artiste qu'on va recevoir et applaudir, il est unique, lui aussi. Il s'appelle Morad Jaffri et il nous fait l'honneur d'être là ce soir. Morad, tfaddal. من كل هوا وخاطري صار اشتات
كل هوا وخاطري صار شتات وغصاني من الفراق الحباب دبالو نساو خيال وجهي دوهيات وسكفاو بحب غيري ما قالو وسكفاو بحب غيري ما قالو وسكفة بحب غيري ما قالوا وإلا على العهد وإلا على العهد والمحبة لزالوا شي انقدر ربي عني مكتب انا راسي ما موالف جولات صغير غر يجهل والعوم درهب ما نعرف للعشق لهوى لا حيلات شبت عيني الجبال كيقرب بلاد الشيح والنخل سهلات غير وعد الله قدرات وجبو في جبيني رات سبق لي شي انفات اليوم شفت في حواز البهجة نهدبو شفت عيني وريت سوج حمامات اليوم شفت في حواز البهجة نهدبو شفت عيني ريت سوج حمامات يعني شوف جبال الغرب غيبو جبال الصحراء نباو غير العدمات لالا ملك مالي لالا امي تحيا لالا صغرى لالا بالي باش يلعبوا حبي ليهم فينا ونيد العذرات قيت ساهي فهلا ندري مصايبو وانا راسي كايساع في الجيات البنات كعرايس من شلوه عدبو غرمهم قوى من حر اللي عاد غرمهم الوطاح الجبل اللي ريبو بحرم واجو بيج بعد الساعات يعني شوف جبال الغرب غيبو جبال الصحراء نباو غير العدمات لالا ملك مالي لالا امي تحيا لالا صغرى لالا قريب قبالي باش يلعبوا
حبي نيوم بنوني دل عدرا حين سايفة لندري مصايبه أنا راسي كايسة في الشيات لبنتك عرايس نشلوها عدبو ورمهم مقوى نحر اللي عاد ورمهم نوطاح على الجبل اللي ريبو بحر مواجو تيجي بعد الساعات ما يعرفوا عربية ما يجاوبوا ما رحموني بطفوا لي نار قدام قلت ليهم لطفوا بيا ورطبوا كان هداكم رافع السما يا البنات يا عيني شو جبال الغرب غيبوا جبال الصحراء نبا وغير العدمان لا لا مالك مالي لا لا امي تحياها لا لا الزهرة لا فاتوا ملوك ما قدروا يحاربوا كما عنطر فيه واشي عبلاد العبسي والشعر مروان كتبوا كدليك قيس فيه والي لامات ما يعرفوا عربية ما يجاوبوا مرحموني بطفوا لي نار قداد قلت ليهم لطفوا بيا ورطبوا كان هداكم رفع اسماء البنات ما يعرفوا عربية ما يجاوبوا مرحموني بطفوا لي نار قداد ما يعرفوا عربية ما يجاوبوا مرحموني بطفوا لي نار قداد كل خاين ربي هو يعاقبه ما يفرحش في الحياة غير الغمات جميع خاين ربي هو يعاقبه ما يفرحش في الحياة غير الغمات يا علي شو جبال الغرب غيبه جبال الصحراء نبا وغير العدمات لا لا تحياها للا الزهرة اللات يا عيني شو جبال الغرب غيبو جبال الصحراء نبا وغير العدمات للا مالك مالي للا امي تحياها للا الزهرة اللات لهو يديك ولهو يجيبك لهو يديك ولهو يجيبك القفطان منين جاك الهواوية منين جاك القفطان منين جاك جامت المسان جامت المسان جامت المسان جامت المسان جامت المسان هاي أخويا الهواوي جامت المسان أخويا الهواوي أيوة القياس منين جاك الهواوية منين جاك القياس منين جاك جا من الكناس 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 هاي أخويا الهواوي جا من الكناس هاي أخويا الهواوي
جاك صبعك منين جاك هو ويا منين جاك صبعك منين جاك جا مرباك جاني مرباك جاني مرباك جاني مرباك جاني مرباك اي اخويا الهواوي جاني مرباك اي اخويا الهواوي الهواوي يا منين جاك القياس منين جاك جا من كناس خويا الهواوي الهواوي يا منين جاك القياس منين جاك جاني من فاس خويا الهواوي الهوا يديك والهوا يجيبك الهوا يديك والخلوي يجيبك الهوا يديك اخويا الهواوي Il faut pas me retenir quand il y a Mourad Jaafri, j'ai tout de suite envie de danser. Merci beaucoup Mourad Jaafri, on va le recevoir dans quelques instants ici, juste après ça. Voilà, et avec nous sur ce beau plateau, cette table qui est très très bien décorée. J'ai oublié de rappeler, il faut que je rappelle quand même parce qu'il y a de très jolis gâteaux, des viennoiseries, des gâteaux traditionnels. Donc remercie d'abord Darl Bey pour ce très beau décor. Merci beaucoup Darl Bey. Je remercie aussi la pâtisserie Senteurs et Saveurs et la pâtisserie et viennoiserie Milassou qui vous propose ces petits gâteaux très allégés. Il n'y a pas beaucoup de sucre, donc voilà. Comme ça, on ne va pas grossir et je pourrais rentrer dans le calakou de Faiza André Bozar. Voilà. Alors, avec nous, Mourad Jaafri, marhaba bik. الله يسلمك انا ثاني صحه صافا مالج لا صافا تري بيان نقول بون فات تو لي زارجيريان تو لي ميزيلمون تاع لوكازيون دو عيد الاضحى اي سوي تري كونتون فوالا يعطيك الصحه زهيتنا زهيتنا الله يسلمك الله يسلمك هذه ان شاء الله اياماتنا كاع فرح ان شاء الله ان شاء الله مازال كتسبورت لي اسما اي لازم ما بدلتش هكا ايكيب ولا جامي جامي ابار ليكيب ناسيونال بيان سور مي سيبورتيت ليكيب ناسيونال في لا كوب دافريكا ما راتيت حتى ماتش نعطيهم الصحة اوكان ماتش او ما راتيت اوكان ماتش بيان سور سوبر عندك كي تكون فير لافان هكذا نهرب شوية ستريس عندك الحق عندك الحق عندك الكوفرون هذاك تاع محرز إلي اونيك وحده إلي اونيك اون ريفيندرا دون كيلكوز انستون سور لو سبور فوز الي كومبخوندر بوركوا مي جو في بريزونتي لو دوزيام انفيتي الوغ لوي اوسي جو لام بوكو جو لي كونو ا لوبيرا دالجي بوعلام بالسايح جو لي كونو لابا باسكو إلي انيماتور ارتستيك مي با كو سي ان ارتيست ان فات يو فو با دير كيلي ارتيست مي يو بريفير دير كيلي انيماتور ارتستيك اي لوي كاند يل انيم دي سواري باغ اكزومبل que ce soit à l'opéra, bon, c'est l'animateur officiel de l'opéra Boualem Bessayeh, il anime dans d'autres festivals, des soirées, il crée une ambiance très particulière et c'est ce qui m'a attiré, c'est pour ça que je l'ai invité, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Abdelmoum El Moucharak, Abdelmoum El Moucharak, parce que c'est vrai, il est très gentil et surtout il est professionnel. كيفاش تقدر تحفظ سي انكرويابل كيفاش دير بون كين نتولع بقصيد ولا نحب قصيد ولا غير نقراه برك يدخل في الراس ما نقراها خطره زوج سورتو كي نحسو يدخل في الراس ولكن انا نحفظ غير كلام السادات على كل حال سيدي الخضر مثلا النجار مثلا ندخلوا دوك في لب الموضوع توت سويت سون بلو تاردي هيا دروك من ما من رانا في العيد الكبير وبالمناسبة نقول صحة عيد كل الجزائريين وكل الأمة الإسلامية قصيدة من قصائد رشيد القسنطيني اللي اسمه بير الأخضر رشيد المكنى برشيد القسنطيني حين يقول تلت ليالي بالكمال وهو يوقف عليه ضحي بابنك الغزال الله طلب عليك بالرأي صدق الرسول وطار النوم عليه دمعه سيلة لا تزول على اللي عزيز عليه الله. الصباح في زيوق الفجر عيط لإسماعيل ابنه فر من الحجر نتاع أمه لحنين أرمى يدو على الغلام وعطى روحه ليه قال لزوجته بالبسام نروح نحوس بيه قالت له اصبر يا رسول نروح نقيه نبدل له دوك الدلول بالتوب اللي واتيه أمه ما هيش عالمة فاين رايح بيه فرحانة بيه سالمة غير تهلالي فيه
إبراهيم ماشي في الخلاء وابنه يتبع فيه، سمع الطير في العلا وقال راح يضحيه، سماعين خاف من البلا وقال له يا رسول، سمع الطير في العلا أشره كيقول، قال له يا ابني العزيز راني نسمع فيه، هذاك إبليس نحيس ولعن الله عليه، ولما لحقوا للجبل عليه السلام قلبوا بالحرقة فشل وعيط يا رحمن، ركعوا باسوا من الجبين ودمعوا فتحت به، قالوا يا ابو يا حنين ما بكاك حزين، قالوا يا كبدي الغلام الله اللي طلب عليك، أتاني مالك في المنام وطلب مني نضحيك، قالوا الطاعة يا رسول، قالوا الطاعة يا رسول، بصح أمي ما علمتها، لاش يا بويا ما تقول كنت غير نشبع منها، عنق ابنه بالغزر وماني عالمها، الله يأتيها الصبر وهو اللي يرزقها، سلم عليه من الجبين ورفت قبل به، رمى يدو على السكين ورايح يضحيه، قال له رفد الكموم وطم جلاليك، لا ترشهم بالدموم أمي تفطن بيك، لما جاي يجري عليه مالك نزل لقفاه، قال له اعتق ما بيديك واحكم اش وراك، مفزع إبراهيم الخليل دارو راح يشوف، القال مالك جبريل ما بيديه خروف، قال له يا إبراهيم الخليل اعتق اسماعيل، ما كاش منك قليل من الصابرين، قولوا آمين والله يرزقنا الصبر، يا رب يرزقنا الصبر لنا أجمعين، كما رزق الصبر أب المرسلين على ابنه الحنين. إذن هذه هي إحدى صحة. من روائع يعطيك الصحة الشعر رشيد القسنطيني. ما والو انا ابغي جيت شويه ابغي جيت ميرسي ان توكا يعطيك الصحه اون بليس خيرت هاد القصه هادي اوجوردي في لوكازيون تاع العيد دونك سيتي تري امبورطون ميرسي بوكو ميرسي يعطيك الصحه عبد المؤمن فوالا عبد المؤمن روتني بيان سون نو يسابل عبد المؤمن حوا سي تال ارتست مو جو با دير انيماتور جو دير ارتست سيتي فريمون ان ارتست الله يخليك واش تقول فيها مراد جعفري نعطيه الصحه وعنده ان دون فريمون باسكو انا كنت افون خدمت معاه ايليتي plus jeune que ça ya kayak da mazal le jeune khmous عليه و خدمت ما عنده un don vraiment عنده un avenir c'est vrai il a un don ah il a un don parce que on a travaillé ensemble واحد القصه صارت لي مع مراد جعفري مراد باش نضحكوا شويه ياك واحد الخطره كنا خارجين من واحد لوتيل في وهران فاتوزو الشيرات في وهران انا خارجين انا وياه من لوتيل هو كان شويه مستمر تكون اون تورني هذوك زو الشيرات فاتوا عليه شافوه قالت لها عندك عرفتيه قلت لها هو عرفته هذا مراد شاعو الاخرى قالت لها لا ماشي مراد شاعو هذا عبد القادر جعفرو بالصح هذه صارت صح معليش ليسونسيال القرش انا لعبتها ما سمعت هو سمعهم انا لعبتها ما بس سي سا دي زانيكدوت مي تعود يكون جي شاعو وتانك شاعو ستان كرون الله يبارك هو ثاني سي ان كرون وانت توي ان كرون ان شاء الله نلحقوا شاعو محمد ياسين الى ان كرون وليلى بورسالي توس فوز ايت دي زارتيست شاكان سون ستيل اي شاكان سا مانيير دانتربريتي ابخي اون بلاي او اون بلاي با شاكان son public voilà on va être d'accord sur tout le monde hein voilà le sahaïdou à tous les artistes وانت صابع راهي ماشي الحاله كاين لي سواري كاين العراس كاين كلشي لي فات وي لي فات فاميليال وكدا لي فات باغ اكزومبل في رمضان خدمنا بزاف في رمضان في رمضان في القصبة هذيك القعدة تاع القصبة حلوة القعدة تاع القصباوية كيما نقولوا كاش نهار عرضني ان شاء الله ان شاء الله جديد ولويل برك يا با بروبليم اون سخا لا فوالا مو اي توت لا فامي توت لا تلاس مالا ميرسي اون توكا يعطيك الصحة مراد جعفري اللي قبلت هاد لانفيتاسيون الا حبيت توجه تحية بيان سور على توت لا فامي نقولوا مصحة عيدهم ولي زامي ولاد الحومة وما نقولوش اسماء وتخفت ننسى وصحاب الوسمة ولي اسمع ياسر ان شاء الله هاد العام فيها خير فيها زعما هاد العام الشامبيونز ليغ ان شاء الله يا رب سي سكو سويت فوالا جو با سي تو الموند اي داكور مي فوالا لوي سيبورت لو اسمع عبد المؤمن يعطيك الصحه ميرسي بوكو يعطيك الصحه ولا الله يخطيك ميرسي على الانفيتاسيون دي فو ولا صحة عيد كامل الأمة الإسلامية والجزائريين بويا يما كامل العائلة
بنتي ريتاج لمفام جيراني كامل اللي يعرفوني صحايتكم يعطيكم الصحه ميرسي بوكو pour ce beau moment يعطيكم الصحه vraiment merci voilà dans quelques instants on va retrouver encore quelques artistes parce qu'on arrive bientôt je dis bientôt à la fin de l'émission spéciale Edge j'espère que vous passez une excellente soirée avec nos invités on va s'intéresser au sport on ouvre une petite parenthèse sport pourquoi parce qu'on a vécu un moment très très fort avec cette deuxième étoile qu'on a pu accrocher la coupe d'Afrique qu'on a réussi à avoir à décrocher de très très beaux matchs vécus par tous les Algériens et par l'équipe nationale avec bien sûr le sélectionneur Jamel Belmadi. Mais moi, je voudrais vous proposer cet animateur que vous connaissez certainement parce que tout le monde, beaucoup, était branché sur les chaînes étrangères. Il s'appelle Smaïn Bouabdallah. Alors lui, il supporte l'équipe nationale comme pas possible et il le dit, c'est vrai que je travaille en France dans une chaîne très connue de sport, mais je supporte l'équipe nationale et il voulait nous adresser à tous un message. Regardez. Bonjour à tous, bonjour à tous les Algériens et en particulier aux téléspectateurs de Canal Algérie. C'est Smaïl, très heureux, très fier de partager avec vous ce bonheur, cette fierté d'être champion d'Afrique. J'espère qu'on va tous en profiter encore longtemps. Je suis persuadé qu'on sera tous toujours très très fiers de cette équipe. Très heureux aussi d'avoir reçu tous vos messages de sympathie, d'encouragement, de soutien, d'émotion aussi. J'ai encore l'impression d'être en plein rêve, mais non, c'est bien réel. On est bien champion d'Afrique. Et ça, même si dans deux ans on remettra notre titre en jeu, ça ne nous enlèvera jamais cette deuxième étoile qui sera là pour l'éternité. Merci à tous, vraiment, pour tous les messages. Je suis très fier d'être Algérien, très fier d'être Algérien partout où je suis. Très heureux aussi de partager cette ferveur et cette communion avec vous tout au long de ce mois et tous ces jours et tous ces derniers jours sur les réseaux sociaux ou sur les messages de sympathie que je peux revoir. Je vais juste en profiter pour faire un gros bisou à toute ma famille en Algérie, à Ras El Oued. Du côté de Sétif, Ma, je te fais un gros bisou. Et puis à toute ma famille du côté de Mostaganem, à Tounine pour être très précis, je fais un gros bisou à toute la famille Belarbi. Je vous aime très fort et vous aussi les Algériens, je vous aime très fort. Très heureux, très fier de partager ces moments avec vous. Je vous embrasse et à bientôt, Inch'Allah. Voilà, une belle déclaration de l'amour aux Algériens, puisque lui aussi, il est Algérien et lui aussi, on l'aime, même si c'est un animateur d'une autre chaîne, il faut se l'avouer, il est juste excellent dans le sport. Donc voilà, on le salue si jamais il suit peut-être cette émission de l'Aïd. Alors, nous avons avec nous deux autres artistes, je dirais chacun dans son domaine. J'ai tenu à les avoir avec moi ce soir. Alors, Fethi Nouri, le comédien, moi j'aime pas dire trop comédien, je préfère dire que c'est un acteur, parce que c'est un véritable acteur de cinéma. Bonsoir. Bonsoir, Saha, Aïdkoum, Aïdkoum Abrouk, Snin Daïm, Inch'Allah, et merci pour l'invitation. Merci d'être là ce soir, Fethi, vraiment. Avec plaisir. Nourtna. Merci beaucoup. Avec nous aussi, Younes Metkour. Oui. Alors, Younes Metkour, c'est une énigme. Il a 25 ans, alors il a fait tellement de choses dans le domaine de la recherche au Canada. D'abord, à 25 ans, on peut faire tout ça? Il faut être intelligent. Puis il faut savoir comment gérer ces trucs parce que c'est quand même beaucoup de trucs, je l'avoue. Mais si on a de l'aide de ces étudiants qui sont encore en licence, ça, c'est facile à faire. Mais c'est quoi ta spécialité? Parce que tu es dans le domaine de la recherche, point de vue santé. Ça nous concerne tous, donc on est tous attentifs à ce que tu vas dire. Exact. Donc en fait, je me spécialise spécifiquement dans le vieillissement et les maladies reliées au vieillissement. Mesdames, ça nous intéresse, hein. Alors. Ouais, donc pourquoi? Parce que deux tiers des morts à chaque jour dans le monde sont dus au vieillissement et à ces maladies-là. D'accord. Puis je sais pas. Le vieillissement facilite la maladie, quoi. Exact. C'est ça. Ouais. C'est la dégradation du corps au fil du temps qui va affecter un organe plus que l'autre et ça va engendrer une maladie. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, si c'est le cœur qui est plus faible que le reste. Mmh. Mais comment tu t'es retrouvée dans tout ça? Parce que je sais que tu n'as pas fait pas fait de master, tu es partie directement au doctorat, c'est ça? Exact. En fait, à 25 ans. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait ma licence et croyez-le ou pas, je n'étais pas un bon étudiant. Je passais mon temps à sortir avec mes amis et tout ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la dernière année, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a eu un déclic. Oui. J'ai commencé à faire de la recherche. Oui. Puis en faisant de la recherche, j'ai publié 4 articles. Oui. Vous faites partie aussi d'un groupe au Canada.
Exact. Un groupe très sélectif de chercheurs. Exact. Mm-hmm. En fait, c'est, je vais revenir à ça, c'est pour passer de la licence au doctorat, il faut avoir de très bonnes notes et être, avoir publié avant même de finir son master. Puis on peut passer directement. D'accord. Maintenant, le groupe de chercheurs, là, ben ça c'est fini, mais l'année passée, j'étais sélectionné parmi 10 étudiants doctorants à l'Université Concordia à Montréal, qui sont les tops pour représenter sa recherche scientifique devant le gouvernement. Ou... merci, merci. Ça mérite. Voilà un Algérien qui représente bien les Algériens, voilà, ben oui, à l'étranger. Et vous êtes fier de dire que vous êtes Algérien là-bas. Ah, bien sûr. Hein, vous dites bien je suis Algérien. Toujours. Et là, vous êtes en vacances. C'est pour ça qu'on a profité de votre présence. Exactement. Ben, je suis en vacances, mais je travaille encore parce que j'ai ma soutenance bientôt. Inch'Allah. Doctorat. Exact. Ah bah bravo, et franchement, j'espère que vous reviendrez, pourquoi pas exercer en Algérie. On a besoin de gens comme vous. J'y pense en fait, j'ai deux options en ce moment. Soit je travaille un peu, je ramasse de l'argent et je viens ici pour m'établir et me concentrer sur ma carrière. Ou je rentre directement et on oublie de ramasser l'argent. Eh ben non, vous trouverez des aides, Inch'Allah. Vous trouverez des aides, surtout que c'est pour la bonne cause. Exactement. Donc voilà, merci beaucoup pour merci ce que vous, vous faites. Et ça franchement, je suis très honorée de vous recevoir, vraiment. Merci. Alors Fethi Nouri, qu'est-ce que tu dis du jeune homme qui est à côté de toi? Moi, je dis que l'Algérie a vraiment besoin de ces jeunes-là. Ouais. Et je pense et je crois même que, comme lui, on a beaucoup un peu partout dans le monde. C'est vrai. Et vraiment, il faut que maintenant, il faut que l'Algérie commence à profiter de ces jeunes-là, ouais, à profiter de cette richesse-là, mm-hmm, et faire rayonner l'Algérie finalement, mm-hmm, grâce à ces jeunes-là. Oui, exactement. Voilà. Alors, toi, tu fais partie de ces Algériens aussi qui ont réussi dans le cinéma. Bon, c'est vrai qu'on t'a vu, les gens te connaissent pour le feuilleton que tu as joué, Framdan Lifet, sur une chaîne. Une autre chaîne qu'on ne citera pas, que tout le monde connaît. Et tu as joué le rôle du méchant dans le feuilleton Al-Jarih et tu l'as très très bien interprété parce que dans la vie, tu es très gentil. Ben, j'espère que le public a apprécié ça. Mmh. Et ben, si vous le dites... Hein, oui. C'était un très très bon rôle. C'était avec Lila Boursali. D'ailleurs, c'est dans le même feuilleton que Lila Boursali. Exactement. Oui, voilà, qui est là-bas, de l'autre côté. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec Lila Boursali. Non, pas dans le domaine de la musique. Exactement. Elle aussi, elle a fait ses premiers pas dans la comédie. C'était plutôt très, très bien. Elle a fait ses premiers pas et je dois dire qu'elle m'a agréablement surpris, oui, franchement. Mm-hmm. Donc félicitations. Voilà, on les applaudit tous les deux. Bravo. Donc sinon, toi, Fethi, ce qui t'intéresse plus, c'est le cinéma. C'est le cinéma, oui. Mm-hmm. Pourquoi le cinéma? Ben, cinéma, c'est mon premier amour, mm-hmm, et mon dernier amour, j'espère. Ouais. Ben, j'ai fait de la télévision parce qu'on m'a proposé un rôle qui m'a intéressé. Mm-hmm. Mais je suis plutôt cinéma parce que déjà, ma formation a été orientée vers le cinéma. Mm-hmm. Et j'ai commencé ma carrière cinématographique justement en faisant du cinéma. Ouais. Et je découvre le monde de la télévision. Et tu as interprété un rôle très important, celui de Didouche Mourad. Oui, exactement. Mm-hmm. J'ai eu le plaisir et l'honneur plutôt d'interpréter le rôle de Didouche Mourad dans le film qu'on espère le voir très bientôt, Inch'Allah, le film de l'Arabi Ben Mehdi. Oui. Et c'était vraiment un honneur pour moi. Et au fait, c'était une occasion que j'attendais parce que j'ai commencé ma carrière cinématographique en Italie. Mm-hmm. Donc j'ai attendu. Donc, comment on dit, parler italien, toi? Parler italien? Parle italien, certes. Ah, très bien. Ouais, voilà, il parle très, très bien italien. Et donc, quand j'ai terminé ma formation et j'ai commencé ma carrière cinématographique en Italie, j'espérais de commencer et de jouer en Algérie. Et j'espère que le jeune chercheur, il fera de même, ouais, c'est clair, dans son domaine ici en Algérie. Donc, voilà. Voilà. Je suis quelqu'un qui supporte et ferveur et supporte vraiment mon pays. Ouais. Et c'est pour cela que j'ai décidé que tu veux de réussir, venir. Voilà, s'installer en Algérie et réussir Algérie, ici parce que tu vivais en Italie. Exactement. Et tu as fait le choix de rentrer en Algérie. Tout à fait. Tout très fait. Bien. Mais tu pars de temps en temps en Italie. Souvent même. D'accord. La prochaine fois, tu nous ramènes des pâtes. Des bonnes pâtes, hein, parce que des fois, on les trouve pas, elles ne sont pas très bonnes. Mais t'es bouche bel chauffe. Donc voilà. Merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur d'être là. Pardon. L'actualité, est-ce que tu es sur un prochain film, un prochain projet? Oui, il y a des projets que, pour l'instant, ils ne sont que des projets. Oui. Et on va
j'espère qu'on va concrétiser très bientôt, très bien. Que ce soit dans la télévision et aussi dans le cinéma. J'espère que tu viendras nous les présenter. Avec plaisir. Merci à toi aussi. Donc bon retour au Canada. Merci beaucoup. Si vous voulez passer un coucou, vite fait, profitez-en. Ben, j'aimerais saluer ma famille qui passe l'Aïd toute seule au Canada. Oui. Puis à ma famille qui est ici en Algérie, puis à toute l'Algérie. Très bien. Ben, je souhaite Aïd Mabrouk à toute l'Algérie et Mabrouk pour l'Aïd et Mabrouk aussi pour la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Et la deuxième étoile. Déjà, je suis un grand fan du présentateur sportif Ismaïl Bouabdallah que j'aime beaucoup. Voilà. Et je profite aussi pour souhaiter Aïd Mabrouk à ma famille, la grande et la petite. À Annaba, exactement. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence et j'espère que tu reviendras nous voir. C'est clair. Hein, avec d'autres succès. Ça me fera plaisir de revenir. En tout cas, j'étais très contente de te recevoir. Merci. Allez, tout de suite, de la musique avec un artiste qui, lui, apparemment, crée beaucoup d'ambiance dans le style kabyle. On va l'écouter tout de suite. Il s'agit de Yazid Oumoussa. Tfadal. Merci. Yafos, yafos. Allez, plus fort. Si vous y regardez, vous allez vous y aider, mais vous allez vous aider. Si vous y regardez, vous allez vous aider, mais vous allez vous aider. Allez, plus fort, allez, plus fort, allez. Il y a des choses qui veulent faire, et اينك تلغير اينك في الزريط غرمة دي طروح عدم ميتير قولي وتلغير اتاو السوح اينك تلغير اينك في الزريط غرمة دي طروح عدم ميتير قولي وتلغير اتاو السوح افوس افوس Thank you.
شبح مثل الغماء أفوسا يا راج استر ووزاع ذكر ذات شبح مثل الغماء أفوسا يا راج استر ووزاع سيلو برسو في الدواء نكيس هذيك وغنعش ذي الهنا والفلا سيلو برسو في الدواء نكيس هذيك وغنعش ذي الهنا وزين تابن زور لقدد الصفاء نكيس هذيك ولوك نصاصكا وزين تابن زور لقدد الصفاء نكيس هذيك ولوك نصاصكا ذكر جاتي شرح متي بتغمى شستر ونزاع ذكر ذاتي شرح حبتي بتغمى أفوسا يا سحب تصالي في لواء يلي استقبايل ذي قرور زندصاع وذي مسدقون ذي زير صباع يلي استقبايل صح ودي مسدقون في زين الصباح الورد تناصني في تشجني فرح غير استسعى سندي كل الطراح الورد تناصني في تشجني فرح غير استسعى سندي كل الطراح ذكر ذاتي شضح مثل الغماء أبو سايا راجستر ويزاع ذكر ذاتي شضح مثل الغماء أبو سايا ميرسي يعطيكم صحة أعطونا تسبيق على الأوركستر Bravo, bravo, bravo. Voilà, c'est un artiste qui s'appelle Yazid Oumoussa. Il va venir nous rejoindre ici avec un autre artiste que lui, vous allez entendre dans quelques... Enfin, entendre jouer, hein, parce qu'il chante un petit peu. Mais il y a l'autre chanteur qui est derrière. C'est lui le chanteur du groupe. Le groupe, bien sûr, Etelan. Excellent groupe. J'ai toujours dit que moi, ce groupe, je le trouve excellent. Je l'avais reçu la première fois dans une émission qui s'appelle C'est son show, il y a 3 ou 4 ans de cela. C'est, je crois, leur premier passage sur une télé algérienne. Oui. Et j'en suis fière d'ailleurs. Et depuis, ils en ont fait des chemins, des albums. Et voilà, Mohsen est avec nous. Bonjour, bonsoir Mohsen. Bonsoir Lydia. Comment ça va? Très bien. Encore une fois, je suis très contente. Et moi aussi, je suis très heureux d'être là. Et merci beaucoup pour l'invitation. Exactement. Vous avez fait le déplacement. C'est presque 500 km. Donc, et vous êtes venu. Exactement. Donc, merci. C'est avec plaisir. Voilà. Pour nous faire découvrir votre musique, chewi, mais très très spéciale. Exactement. Mm-hmm. Donc, sahaïdkoum. Sahaïd les artistes qui sont venus avec nous. Et merci pour l'invitation. يزيد زول في الامان زول في الامان يركو لاعطيكم صحة زول درت الامبيانس وكيفاش كل يوم هكا انت يا الامبيانس تريسيتي L'électricité, c'est bien. Il danse, il chante, il bouge, il crée de l'ambiance et c'est génial ça. Atakum saha wtma azizana w ndina saha la dnwen. Saha aidkom kol am ntoma bkhir. Saha aidkom jazairiyen, swa lyom hna swa lam fel ghorba. Voilà. Ou li yhbou la musique kabyle. Ah snina wk saha la dnwen la idan marbouh inchallah. Voilà, inchallah. Ou kifach yazid la musique tagak daymen haka al rythme Non, machi bon kayn nkhdem variété, kayn variété. Bsah la La plupart les chansons agra parce que c'est des fêtes. C'est l'ambiance, ah, c'est les fêtes. Hein. Donc t'aimes bzaf les fêtes. Ouais. Donc l'yom c'est la fête aussi l'aide. C'est donc, la fête, oui. Voilà, donc tu as été avec nous et c'est bien. C'est comme si c'est la fête. Canal ouais, Algérie. Voilà. Mm-hmm. Et ça fait combien de temps que tu chantes? Ça fait 15 ans, là, 17 ans. Là. Bdit sghir mala. Bien sûr. Ou bdit f les fêtes hakda. Bdit f les fêtes toujours. Et les albums? Les albums, عندي 8 les albums sur le marché. Voilà. كل البوم شكون بروديكتور تاعو داكوغ وان شاء الله قريب يخرج الالبوم تاعي جديد ان شاء الله ما بقالوش بزاف بالك ان شاء الله فان اوت
toujours الصيف لازم يخرج في الصيف اوبليجي بقى انا درت شويه روطار باسكو هذه هي كنت مع الخدمه العراسي تو سا سي نورمال فوالا ان شاء الله ان شاء الله لا فاوت ان شاء الله ديفا ان شاء الله داكور تري بيان ان توكا ميرسي اللي جيتنا وهولتها درت لنا لامبيونس فوالا امبيونس كابيل Et voilà, encore une fois, on a un orchestre extraordinaire ce soir, l'orchestre bien sûr de Mohamed Yassine, mais il y a beaucoup de musiciens qui jouent dans d'autres formations aussi. Hein. Ils ne jouent pas qu'avec Mohamed Yassine, ils jouent aussi dans d'autres formations. Peut-être qu'à la fin, j'irai vers l'orchestre quand même. Ils méritent qu'on leur donne quelques mots à dire parce qu'eux aussi, ils sont là depuis le début de la soirée. Mohsen, on va t'écouter, on va te laisser aller te préparer hein, avec le groupe, D'accord. tout le groupe qui sont là derrière, le groupe Etren, Omar Khitar et tous les autres. Voilà, il y a tes frères, tu as deux Exactement, frères ouais. qui font partie du groupe. Il y en a un autre qui est aux États-Unis. Exactement. Voilà, ouais. Je crois que j'ai tout dit à ta place. Bon, nous, je fais place. Bon, nous sommes cinq frères. Il y a mon frère Ismaël, c'est le chanteur, c'est un chanteur et en même temps un guitariste. Il y a moi, il y a mon frère Yazid qui est là, il y a mon frère Hicham, il y a mon frère Rabah. Mon frère. Voilà, frère, bien sûr, je cite aussi notre chanteur, Aziz. Et le batteur Omar. Omar, le batteur, saxophoniste. La batterie. Et le batteur voilà. Kikim, notre percussionniste et Drebki Mustafa. Et voici Mouklavi. Voilà, bravo messieurs. Vous allez voir, hein, si vous ne connaissez pas encore le groupe Etelen, vous allez être surpris par leur musique. Alors ils font du chaoui, mais très moderne avec de la batterie, le chanteur, la voix. Je vous laisse sur votre faim et on va aller les retrouver tout à l'heure. On va clore d'ailleurs l'émission avec vous, je reviendrai vers vous, donc je vous laisse aller vous préparer. Et nous tout de suite, on va écouter pour la deuxième fois l'artiste qui a ouvert le bal de cette soirée spéciale Eid, à savoir Mohamed Yassine et son orchestre. On y va. قداش نصبر وقتاش نكون هاني ليام طلعت عليا لا اخبر منك جاني راني صبر راني صبر نستنى راني صبر نستنى وبلا بلك لا تنساني ما فيها بس يك ما فيها بس يا مشهور نسب الشفر بقي ربي مطول العمر ويزول الوسواس وانتي موحظة عم برنامج فين بستنى والقمر النسرين والياس واسواقي بمياه عايمة ما فيها بس يك ما فيها بس يا مشهورة سام الشفر بقي ربي مطول العمر ويزول الوسواس من قيم وحضرة مدر قمر Thank you.
وحمر الخلوي في الزاز بحضر زليخة وفاطمة ما بين الورد يا غزالي بزاف قلوبنا تسالي والحمرة بك قايمة حمرة بك قايمة يحفظها ربنا العالي تين بحيورة سمالي ياكل عشرة مداومة يطيبوا لعكاس يطيبوا لعكاس والإشارة غير بالنظر قالوا لي فاس أبغى الشفر خلي قول الناس ياك عليهم بالملاومة ما فيها باس ياك ما فيها باس يا مشهورة أبغى الشفر باقي ربي مطول العمر ويزول الوسواس ونقيمو حضرة من القمر زمان ساعة ناويك والجماعة وتكون انت الحكمة أمرك مقبول لها طاعة يا ظل القمر والشماعة دايم ضحكة بسمة دايم ضحكة بسمة سلامي للناس سلامي للناس اصحاب المعنى والوطر ارحم اللي هما في القمر خلاونا القياس علموا بالحكمة المزمة ما فيها باس ياك ما فيها باس يا مشهورة سبع شهر باقي ربي مطول العمر ويزول الوسواس والقيمو احترام ذي القمة ونار البين قدات في حشايا يا سامعين قول اللي ننبات صاهر دون النايمين كان معكم جاد والفيا اللي صايرين كان معكم جاد والفيا اللي صايرين بنت خيار الجواد عني دوسوها شعلت نار الكبار يطفيها القمر من هنا هيهات ومن هنا هيهات عذرون يا عاشقين نبقت نجات زلاطة ويت الجبين كان معكم جات والفيا اللي صايرين كان معكم جات والفيا اللي صايرين كان معكم جات والفيا اللي صايرين كان معكم جات والفيا يا رسول الله انت الحبيب حبيب قلبي لا تجزني يا سيدي رسول رسالة الله 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 الله, الله. عند الهادي في مصره يشفع فينا الله 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 يا مولاي يا مولانا يا الله يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولانا يا الله Thank you.
مجمرا انا عبدك اعطيتني دليل الله 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 يا مولاي يا مولانا يا الله 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 عفاكم الله Yassine, merci Mohamed Yassine pour cette très très belle ambiance. Oh là là, on a dansé rien que dans nos tables. Hein. Lila Boursali un petit peu comme ça, Faiza Andrebouta, ça va, c'est lâché. Et moi, n'en parlons pas. Et voilà nos amis qui sont en face, madame, messieurs aussi se sont lâchés derrière. Merci beaucoup Mohamed Yassine, merci pour ce très beau moment. Merci d'avoir amené ton orchestre. Merci les musiciens. Ah, Nkolhom, vraiment merci les musiciens. Est-ce qu'il y en a un qui peut venir? Alors, comment vous arrivez à tenir comme ça la cadence? Vous descendez pas qu'un, mais vous restez toujours. Comment vous faites? Vous avez une baguette magique, une recette magique? Je pense qu'on a des piles qui sont dans nos instruments, je pense. Non, dans les instruments, ok, mais dans vous-même. Qui nous transmettent toute l'énergie. Voilà. Non, mais c'est toute une ambiance. Voilà. Et c'est une cohésion entre nous. Voilà, donc toi au Kanoun, les autres au violon, synthé, clavier, derbou, katar. Basse. Guitar, basse, voilà, basse, il y a, y a et tout. Mandoline, bonsoir. Voilà, et mandoline. Salut, ça va? La basse. Voilà, on dira que c'est le fils du regretté Momo. Le grand Momo, ça il faut le dire. Le voilà, il faut le filmer avec les lunettes. On espère que cette cohésion et ce plaisir durera pour toujours. Très bien, voilà. Merci beaucoup Rafir. Et merci aux musiciens. Merci Mohamed Yassine. Aïe, aïe. Voilà, ça se passe comme ça. Là, bien sûr. Alors, j'aimerais souhaiter un sahaïd comme à toute ma famille. Oui. Et surtout, une très grande pensée à ma grand-mère qui est un petit peu malade. Oui, Rabbi Jiblah Shfa, Inch'Allah. Et sahaïd comme Kamlin. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. C'était très Mohsen, je vais te libérer. Tu vas aller te préparer, s'il te plaît. Moi, je vais en profiter pour saluer l'association du village Tadet Bouadda Aitam Oumalou, j'espère que j'ai bien prononcé, qui a honoré ses élèves et étudiants pour leur succès aux examens de 6e et le bac. Donc bravo pour tout le travail que fait cette association. Et bien sûr, avant d'oublier, j'aimerais remercier toute l'équipe qui m'a accompagnée ce soir, à savoir Fatiha Benissad, donc notre chef d'unité, Rafiq Selloum, Amina Boukhalfa, Zekia Sihammer, Krimou Bougra à la réalisation bien évidemment, et Kamal Ben Abdeslam, notre régisseur. Super sympa. Voilà, toute une équipe, toute l'équipe est sympathique. Le quart, c'est le quart HD3. Nous, on va retrouver dans quelques instants le groupe Itren pour clore cette émission en beauté. Vous, Fodel aussi, je l'ai oublié, d'accord, Fodel. Et voilà, vous restez avec nous juste après le jingle, on revient. رفض الفوش يوم يا ولي زنقو يهيز يا ولي زنقو يهيز باب ام علاوة بالارحام ميسن سرغيز يا رفض الفوش يوم يا ولي زنقو يهيز يا ولي زنقو يهيز باب ام علاوة بالارحام ميسن سرغيز حوي هوا قل غدا وحركات حرار دا وحركات حرار يا ما تنغد الكاهين على حالو بسدور يرفض الفوشي يوم يا ولي زنقو يهيس يا ولي زنقو يهيس باب ام علاوة بالالهام يسنسر غير ترجمة
ما سيني هيسان كافو في دواوات كافو في دواوات سير تدها مرث النغحات لا نوشهات زيزي ضما سيني هيسان كافو في دواوات كافو في دواوات سير تدها مرث النغحات لا نوشهات يرفض الفوشي يوم يا ولي زنقويس يا ولي زنقويس بابهم على وابل الالهام يسلسل بيت عداها يا هر ماسيني سدي وغرث عدا نساها يا هر لا يسوق سلاحا لا تقعداها يا هر ماسيني سدي وغرث عدا نساها يا هر لا يسوق سلاحا يرفض الفوشي يوم يا ولي زنقويس يا ولي زنقويس بابهم على الهام يسلسل ذيس يرفض الفوشي يوم يا ولي زنقويس يا ولي زنقويس بابهم على وامل الهام يسلسل ذيس Bravo. Voilà, on applaudit l'excellent groupe de Mohsen Farah, bien sûr, parce qu'il est membre fondateur. Le groupe Itran, merci pour cette énergie. Yatekoum Saha, vraiment, les trois frères et les autres qui sont derrière. Voilà, excellent. Darabke, voilà. En plus, Chali Hachem, mais il joue très, très, très bien. Voilà, merci beaucoup. Et c'est avec vous qu'on va clore en beauté cette émission spéciale. Et j'espère que vous avez apprécié cette soirée exceptionnelle. Merci à Mourad Jafri. Merci à mon ami Hawa. Voilà. Merci à Fethi Nouri qui est toujours là. Merci aux invités qui étaient ici aussi. Merci Mohamed Yassine. Merci Lila Borsali. Merci Feiza André Bouzar qui m'a habillée. Merci à notre artiste voilà, du style Kabil. J'ai oublié le nom, j'oublie. C'est pas grave, c'est la fin de soirée, c'est normal. Merci à l'équipe HD3, très sympathique. Franchement, j'adore travailler avec cette équipe parce qu'ils sont très patients et ils sont professionnels et ils travaillent très très bien. Donc merci les gars, merci beaucoup pour votre patience. Merci à Mohamed, notre ami de la Sono. Voilà Mohamed. Donc, merci beaucoup à Texaha. Et je remercie bien sûr Dar El Bey pour cette très belle décoration. Je remercie aussi la pâtisserie Senteur et Saveur et la pâtisserie et viennoiserie Milassou. Voilà, je vous souhaite encore une fois Sahaïdkom et puis à très très vite sur Canal Algérie. On va se bien sûr avec le groupe Etren. Bonne fin de soirée et douce nuit. Au revoir. We'll be right back.
بينات في لامها